Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler du livre Rework, Réussir autrement, écrit par Jason Fried et David Enmeyer Hanson. Pas évident à retenir, c'est un nom, je ne sais pas de quelle origine et on s'en fout un petit peu. Donc, ce livre a été écrit par ces deux zigotos qui font partie de la société 37 Signals. 37 Signals est une société qui crée des logiciels informatiques et c'est assez particulier parce que donc on découvre à travers ce livre un peu leur histoire mais également leur culture d'entreprise. Leur culture d'entreprise qui est vraiment différente en tout cas de ce qu'on peut voir un peu partout. Et donc ils partagent à travers ce livre leur culture d'entreprise, leur manière de voir les choses, leur manière de voir l'entrepreneuriat, de voir la gestion d'entreprise, la gestion de crise, etc. Donc vraiment, le titre de cette vidéo était « Oubliez ce que l'école et vos stages ont pu vous apprendre ». C'est vraiment ce que ce livre vous invite à faire. Il vous invite à oublier ce qu'on a appris et à vraiment voir autrement, enfin voir la réussite autrement. J'ai vraiment adoré ce livre et je pourrais vous en parler des heures parce qu'il aborde des sujets très vastes et très intéressants pour toute personne qui est dans l'univers du travail. Que ce soit un créateur d'entreprise, un gestionnaire d'entreprise ou même un employé parce qu'on y aborde des sujets tels que la productivité, l'innovation, le marketing, la relation client, la gestion de crise, la vente, l'évolution de l'entreprise et des produits. J'ai dû les lister tellement il y a des sujets importants. Et donc les auteurs vous proposent de vraiment instaurer une culture d'entreprise non pas nouvelle, mais bien différente, à l'instar de Apple, Facebook, Google ou encore 37 Signals bien sûr. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la conclusion du livre qui vous indique que, contrairement aux idées, l'inspiration est passagère. Donc quand vous êtes inspiré, faites directement les choses, parce que vous serez beaucoup plus productif et vous passerez beaucoup, beaucoup moins de temps à faire beaucoup plus. Parce que l'inspiration permet vraiment d'avoir cette énergie. C'est vraiment c'est la conclusion du livre. Bon, je vous spoil peut-être un peu, mais parcourez ce livre parce qu'il est vraiment super intéressant. Vous allez en retirer plein de choses. Moi, je vais le lire pour une deuxième fois parce que franchement, c'est un livre vraiment génial. Et donc, à oublier tout ce que vous avez pu apprendre à l'école et en stage. Donc voilà, oubliez cela et lisez ce livre, vous allez en tirer énormément de choses. Je vous invite à me dire vraiment ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà lu. Je vous invite également à me laisser en commentaire ce que vous en pensez si vous le lisez. Et en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos, dites-moi ce que vous pensez d'à peu près tout. Comme ça, voilà, je m'améliorerai et puis je vous demande de faire ça pour moi. Merci beaucoup, à très vite pour une prochaine vidéo.